maximum de partage la famille. Voilà. Partager. Partager. On va montrer. C'est-à-dire, la famille, ceux qui sont du côté de l'Europe doivent dénoncer l'indifférence de Quai d'Orsay, de l'État français. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, l'État français, au temps du président Alpha Condé, on voyait les réactions de la France face au régime d'Alpha Condé. Mais depuis l'arrivée de leur protégé, le bandit légionnaire Mamadou Doumbouya, nous avons vu autre visage de la France. Voilà. À part la France insoumise, quelques députés français qui critiquent la gestion du bandit Mamadou Doumbouya, quant au patron du Quai d'Orsay, Macron et son équipe, ils ne disent absolument rien sur la gestion du bandit. Voilà. Et vous avez tous vu l'image du pédiatre que certains à Cancan disent qu'il était un peu malade, qui avait mis le feu sur l'effigie du bandit Mamadou Doumbouya. Hier, vous avez tous appris la nouvelle qu'il est mort en prison. Mais ici, c'est la France. Regardez Macron qui a été giflé ici. Hein. Je vais rejouer la vidéo, vous allez voir. Regardez, hein. Regardez comment on gifle Macron. Regardez, on gifle Macron ici. Je pense que ce sera l'arroseur arrosé. Voilà. Regardez. Le monsieur a giflé Macron. Pourtant, c'est lui le président de la France. Hein. Il a giflé Macron. C'était devant tout le monde ici. Les images ont fait le tour du monde. Mais la personne... Je crois qu'il n'a même pas pris plus de 3 mois de prison. Il n'a pas été bastonné. Rien. Mamadi, de quelle démocratie tu parles? Toi, on brûle, ils mettent le feu sur ta photo. Le monsieur meurt en prison à cause de ça. Un pédiatre en plus qui a mieux étudié que toi. Monsieur Djoubaté, au moins, lui s'occupait des enfants à Cancan. Le pédiatre, lui, il s'occupait des gens à l'hôpital régional de Cancan. Lui, il avait étudié. Mais toi, le bandit, quand ta photo, hein, tu n'es pas l'élu du peuple. Macron, votre patron, Macron, lui, il a été giflé. L'élu de la France. Vous voyez tous. Le monsieur a giflé. Je vous dis que la France ne défend pas la démocratie. La France n'est pas là pour la démocratie. La France n'a que des intérêts. Et je vous ai dit, au temps du président Alpha Condé, le multinational Bernie Steinmet avait perdu Simandou. Donc, et ça n'a pas plu aux Français. Vous savez, l'État français ne vient pas prendre l'argent dans nos banques, mais c'est les multinationales. Orange, Arriva, comme les Bernie Steinmet, quand ils viennent chez nous, ils pillent nos richesses. Ils vont payer de l'impôt à l'État français. Donc, l'État français, eux, l'État français a su... Mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs. L'État français a su tout pour eux. L'État français a su tout pour eux. Mais comme le bandit Mamadou Doumbouya, le légionnaire, comme on l'a dit, aujourd'hui, l'armée guinéenne, les forces spéciales, la formation, tout est assuré aujourd'hui par les mêmes personnes. Les contrats miniers aujourd'hui, les conseillers, les grands conseillers dans ce domaine, tout est assuré par le Quai d'Orsay. Donc, ils ont leur part de gâteau. Voilà. Donc, ils ont leur part de gâteau. Partagez, mais je veux les cœurs. Ils ont leur part de gâteau dedans. Voilà. Attendez, il y a un maudit ici, là. Je vais bloquer d'abord. On va continuer. Donc, famille... Comme je vous ai montré tout de suite, Macron, à l'époque, a été giflé. Ils ont juste neutralisé la personne, jugé, condamné,
quelques mois, il est sorti. Et quelqu'un qui met le feu sur l'effigie, c'est-à-dire lui qui avait parlé de personnalisation de la chose publique ici, qu'est-ce que sa photo fait au grand carrefour de Cancan? Et en plus de ça, M. Djoubaté, ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui avait, voilà, quelques problèmes de santé. Souvent, il pouvait péter le plomb. Donc, les bandits n'ont même pas pensé à tout ce que la population de Cancan ont remonté auprès du préfet pour dire à Kotien Mankene, Ko a Hankli Ko Wati Dola, a Hankli et défaut qu'elle a, al mal miri oma. Ils n'ont pas pensé à ça du tout. Aluka Keka Alu Saoui. Voilà. Bon, ça c'était une parenthèse. Ça c'était une parenthèse. Pour dire aux bandits que la vérité finira toujours à triompher. Que cette transition a échoué. Trois ans, ils n'ont rien mis en place. 3 ans. Et tous les bons Guinéens ont compris que c'est un groupe de voyous, un groupe de bandits qui aiment l'argent, le luxe, tout ce qui est, voilà, belle vie. Et c'est ce que les bandits-là aiment. Sinon, la population guinéenne, c'est pas leur affaire. Demain, pour montrer encore à la communauté internationale que ça ne va pas chez nous en Guinée, nos compatriotes de Paris organisent aussi une marche pacifique pour dénoncer auprès de la communauté internationale des dérives en Guinée-Conakry. Nous aussi, ici, du côté des États-Unis, nous avons le rendez-vous pour demain devant le consulat de Guinée. De là-bas, nous allons nous diriger vers les Nations Unies. Donc, demain, tous les Guinéens du côté de New York, vous êtes tous invités. Au cœur, ça va partager. Du côté de New York, vous êtes tous invités. Nos compatriotes du côté de New Jersey, il suffit de prendre le train, vous descendez à la 34e. Voilà, Madison Square Garden là-bas. Voilà, vous descendez là-bas, vous allez prendre le train encore ou le bus pour aller devant l'ambassade. Ok? Vous êtes tous invités, New York. Ceux de Massachusetts, vous êtes aussi invités à venir. Ceux de New Jersey, vous êtes invités. Nous, du côté de Pennsylvanie, nous allons faire le déplacement aussi. Mais comme moi, je vous ai dit, ce soir, Inch'Allah, je vais passer la nuit du côté de New York. Voilà. C'est-à-dire, je vais bien dormir. Dans quelques heures, je vais prendre le chemin de New York. Je ne peux pas dire aux gens de venir. Et moi, Damaro, je suis derrière. Non. Donc, tout le monde. Donc, demain, du côté de New York, devant le consulat guinéen, il faut que nous montrons à la communauté internationale que rien ne va en Guinée, que le bandit, le légionnaire, n'a rien respecté. Et les photos de tous ces détenus, Dr Kassori, Dr Diané, Honorable Damaro, Monsieur Oye Gilavogui, Monsieur Ibrahim Akuruma, Monsieur Sila Cabinet Bill Gates, Fonike Mangue, Ibrahim Diallo, tous ces détenus aujourd'hui, tous les portés disparus, demain, vous verrez les images de ces gens-là. Il faut que nous montrons, c'est-à-dire BBC doit voir, CNN doit voir ça, CNBC doit voir, tous les grandes chaînes ici aux États-Unis, nous devons montrer. Voilà, ce qui se passe chez nous en Guinée. Dire à ces gens que le CNRD, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Ils ne sont pas venus pour la démocratie. Ils sont venus pour leur propre affaire. C'est des bandits, c'est des vendeurs de drogue. Voilà, qui sont venus et nous devons tout faire pour qu'ils partent. Ce que nous demandons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Un état de droit. Un état où le mérite est là. Les gens ne peuvent pas... Voilà, merci Brigitte.
J'avais même oublié mon ami El Sissi. Voilà. Donc, demain, la photo de El Sissi aussi sera affichée. C'est tout le monde. Voilà. C'est tout le monde qu'on va afficher demain devant la communauté internationale pour dire qu'il n'y a que des bandits en Guinée. C'est un groupe de gangsters. Il n'y a pas l'état de droit. Il n'y a pas de justice. S'il y a quelqu'un du côté de... S'il y a quelqu'un du côté de Paris, du FNDC, qui a quelques mots à dire, vous pouvez faire une demande. S'il y a quelqu'un qui me suit dans ce live, il est du FNDC, ou bien qui va participer demain à la manif de Paris, vous pouvez demander ici. Voilà, je vais vous passer la main. Voilà, c'est pas Aboulaye. Je vais voir si ça va passer. Donc, en tout cas, demain, du côté de Paris, ça va être une synergie. Paris et puis New York à la fois. Ça va? Bonsoir, Damarou. Vous allez bien? Ça va, et vous? Ça va? Ça va. Je ne vous entends pas, là. Ok, attendez. Bon, partagez, lui, il n'est pas prêt même. Je veux quelqu'un, je dis bien de quelqu'un de qui va être du côté de Paris. Attendez, je vais. Bonsoir. Ah, allô, oui. Bonsoir. Ça va? Ça va. Attends, je vais allumer la lumière de ma voiture parce que là, je suis dans la voiture. Vous serez du côté de Paris demain ou bien? Oui, exactement. Moi, j'habite à Lyon précisément, mais là, j'ai déjà acheté mon billet de train. Donc, je vais essayer de bouger ici à 10h et puis je serai là-bas à 13h au plus tard. Ok. One minute. Attends, une minute. Je vais passer ça et les gens vont après vous. Ok. Reste en ligne. Ok. Alhamdulillah, il y a une urgence comme quoi de Mamadi Doumbouya doit arriver là-bas le 4 octobre. C'est ça, non? 2024. Non, on a appliqué, c'est le 5. Il vient pour participer apparemment à l'événement de la francophonie, mais pour l'instant, nous restons concentrés sur un événement qui est presque arrivé là. Ok, alors parlons de cet événement. Il s'agit du 28 septembre, samedi 28 septembre 2024. Qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce que vous voulez faire? Alors que ce jour, l'ambassade quand même sera fermée quand même, parce que ce jour, il n'y a pas de travail partout. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'ambassade est fermée, mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pas d'aller saccager l'ambassade ou bien aller rentrer dans l'ambassade. Nous allons défiler devant l'ambassade pour montrer, c'est une marche symbolique, pour montrer au peuple de Guinée, au peuple du monde, que nous sommes diamétralement opposés à ce qui se passe en Guinée. Voilà, donc vous avez entendu, et mon frère, vous pouvez parler maintenant, après je vais donner l'adresse. Okay. Oui. Alors déjà, je commencerai par te remercier et surtout t'encourager pour tout le combat que tu fais. C'est vrai, c'est pas tout facile, mais moi, franchement, je disais souvent sur mes commentaires, je disais que si j'étais un président d'un parti politique, j'allais tout faire pour te mettre dans mes rangs, tellement que tu es quelqu'un de trop motivé. Et quand tu défends quelque chose, tu n'es pas là. Tu sais, il y a des personnes, elles sont là aujourd'hui et demain, elles changent d'avis. Moi, j'aime bien des personnes qui sont constantes dans leur vie. Et voilà. Et continue dans ce sens-là. Il faut toujours défendre le pays. Le pays, c'est nous, les jeunes, qui devons s'unir, savoir que le peuple ne peut pas développer la Guinée seule, les malinqués ne peuvent pas développer la Guinée seule. C'est que c'est nous tous, parce que la Guinée nous appartient, il faut qu'on s'unisse. Pour moi, il n'y a pas de problème entre les ethnies, c'est juste quelques cadres, des cadres malinqués, des cadres peuls, des cadres soussous, qui s'unissent pour faire du mal au peuple. Donc pour moi, il faut que nous arrivions à dénoncer, comme vous êtes en train de faire,
continue toujours de sensibiliser. Moi, je suis vraiment content de sensibiliser. À chaque instant, je t'écoute. À chaque instant, je t'écoute parfois, même si je suis au travail, même le matin, j'étais au travail. Mais je t'écoutais. Continue dans ce sens. Ne pas perdre. Sache que tu es sur la bonne voie. Et continue dans ça là. Moi, demain, je serai à Paris pour la manifestation. Je vais pas. Je vais vous parler bien le pouvoir, juste passer en quelques secondes le message de dire aux gens de venir demain à la manif et tu donnes la raison quoi. Oui. Comme un tort diamant faux que le roi qui le veille à manifestation. Andi, c'est manifestation nos dames. Si on appelle c'est manifestation nos dames, vous ici, Kay, il n'a c'est manifestation Yahama, fous sans attendre, n'affaire pas. Non, il faut sortir. Fihon Yaltanta. Parce que on veut y assurer ni nous couper ni couper yalto. Pour l'instant, c'est ce que je demandais. On fait ce qui est demandé. En plus, nous autorisons qu'à on dans dossier autorisé dans le pays où on est. C'est-à-dire à la bonne loi laïque qu'à on dans. Dès lors que c'est autorisé, tu sors, tu manifestes, tu fais la manifestation tranquillement, tu reviens. Donc en tout cas, moi, ce que je peux demander à tout le monde, tous ceux qui sont en France ici et dans les pays limitrophes, c'est de venir massivement pour participer à la manifestation de façon paisible et calme et de rentrer. Pour l'instant, ce qu'on nous demande, nous devons faire ce qu'on nous demande, pas autre chose. Pour l'instant, ce qu'on nous a demandé, il faut faire cela. Merci beaucoup, mon frère. Merci vraiment. Merci pour ton intervention. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ciao. Donc, la famille, du côté de Paris, voici l'itinéraire. Place Victor Hugo, Paris 16e. Et arrivé, ils vont vers 75 boulevard Flandrin, Paris 16e aussi. Tout ça, c'est dans le 16e. Voilà, place Victor Hugo, Paris 16e, 75 boulevard Flandrin, Paris 16e. Voilà, et de 13h à 17h. Voilà, de 13h à 17h. Et chez nous aussi, c'est à partir de 9h30. Et une fois que les organisateurs seront sur place, nous allons bouger pour les Nations Unies. Nous, on s'en fout que Baouri soit là, que Mamadi soit là ou qu'il ne soit pas là, ce n'est pas notre affaire. Nous parlons au nom de la Guinée. Nous parlons au nom de la Guinée. Donc, demain, comme déjà, vous saviez, la dernière manif à New York, vous avez vu, 3rd Avenue, nous avons tellement que la foule était, voilà, ça dépassait même nos attendements. Donc, la police était obligée de bloquer toute la voie à cause de nous. Et cette fois-ci, voilà, comme les bandits se sont prononcés pour dire que voilà, ils vont se présenter, c'est maintenant que nous devons les dire à Moulamfé. Voilà. Coup d'État, mandat Mara. Et le bandit Mamadou Doumbouya, nous ne pouvons pas accepter un tonneau vide, un bandit au 21e siècle, au cœur ça. Et dans ma life, ça m'a fait. Voilà. Nous disons à ces bandits que ça ne marchera pas. Voilà, comme je vous le disais, je serai du côté de New York. Voilà, je serai du côté de New York. Et le petit conseil que je vais donner à mes fans, ceux qui aiment Damaro, pardonnez, ne vous collez pas à moi demain. Pardonnez. Parce que demain, ce qu'on m'a dit, les bandits, ils ont envoyé des gens. Donc, j'ai besoin d'espace demain. Je vous en supplie. Photo là, on peut même faire photo à distance demain. Parce que si je dis, voilà, je ne vais pas, vous allez dire, oh non, Damaro, il a peur. Damaro, il nous a dit de venir. Mais je vous en supplie, pardonnez. Je serai de la partie, comme je vous ai dit, Inch'Allah. Voilà, je vais bouger ce soir pour aller à New York. Donc, très tôt, je serai là-bas aussi. Si les bandits, comme ils ont dit, voilà, qu'ils vont venir, il n'y a pas de problème. Juste pour ma sécurité, j'ai juste besoin d'espace. Foyera ce nous mérite à Gitina Alabe. Voilà. Fonga tonne. Nagane iratina. Fora lune. Foyera ce nous mérite à Gitina. Nagana barre la dernière fois. Ça ne va pas être pareil cette fois-ci. Là. Donc, Mouama, Ande Rasagam, Erasagam, ou bien des trucs comme ça. C'est pourquoi je demande demain. Voilà. Aboulaye, Kates, on a maintenant combien fait. Mbarafala obe ora Mamadi Doumbouya a gologeme masigi minife tinane gologeme sigi contre Mamadi Doumbouya tinanara comme owa mason nango owa mane ngason sa Mamadi Doumbouya a gologeme
awa titre nene mam fafe tina ma marage ma morceau e birim préparé de tina ma dédicace nara owa mane mamadi dumbuya na gologe mesigi nga doga matina ma amatoro mane na matoro fo nioke ya te birim e blare bobo owa mane na ngoka owa mane na ngo ya pas de problème owa ma soto mane mbara fala onu fa kombiti be yat nara gule fo ga bandina ma voilà owa na sa kuye fore mamadi dumbuya na sima nana makoma ankene kya naka botinata awa ma dédicace tina nara comme bore fana promener fait la Guinée awa nta nara ba ma New York ne mut nous ne sommes pas les mêmes artistes artistes naka siga ma ko village muta siga ma mura dédicace mura concert moi raba ma ne New York tina mamadi dumbuya le son mamadi dumbuya golo game 10,000 fois awa aramini matina ne voilà na sora mini fetinane mamadi dumbuya gologe me 10,000 fois comment que le mara surprise na préparé comme wa makalamati ya siginango y a pas de problème nta so mane o nta album free narago cadeau nara maçon cadeau nara ngaye o musse se comprendre simbe tina o fetu mane kalabante donc la famille demain tous ceux qui veulent voir le général 5 étoiles avec le micro, comme il n'a pas nanana la Guinée Gileri. Il ne défend pas Mamadi Doumbouya selon son programme de société. Il n'a pas de programme. Kombi, voilà, Moutanambara Findi est un programme de société. Damaro, Benito, Adi, Awa, Tinafan, Moufan, Remix, moi, Ragbile Manetina, Nta Nougema, son sade, Awa, Benito Nyangbe, Nafa Magaroumbe. Mbe mason na magaru me nyanto benito bem nto benito gason écoutez awanda ga luki nda yati fa micro sa simbe naga ngalu benito ma akulo artiste ina fala itana sembego imi bore artiste rame awa benito atarang be nyoku oma fala kalabante ya nanda pa oma nous ce qu'on a à dire dénoncer on va mutana fala mané mais comme wa mané otana muyatu ora bandi bindar Ora bandi Mamadi Doumbouya comme otana munda nda binjare awatina mura c'est-à-dire mura lave mané très bien anou kabakoudou munana na bama ala onyambara rappeler alhamdoulillah nyamunu t-shirt sebestinde Mamadi Doumbouya gologeme nyan siga fe na yakos bisou nkel fe na iki nukel ma direct siga fe mor na iki musiga fe New York de ndangi mané mor yakos Nsinga atam Mamadi Doumbouya a gologeme nana sa fait ma t-shirt ma atam artiste sender na photo na ga maiki nana mansama ngambis atam sende matina o mameti voilà o na ga toriki man nana sama grand écran tina o ma fla paga nana fa o ma tina Dina sama matisura takambitina. Iwa makili na koka. Muka soma ne ujira. Oma vila muta ngeli. Oma na success ota mukili nanda. Awa muma success ima ne umatina. Ji. Nana sama matisura. Mamadi Doumbouya gologeme. 10,000 fois. Nana sebe ma matisura mabe. Nana sebe. Mamadi Doumbouya gologeme. Nana sa 10,000 fois. Mange mfaji foto sa ngambitina. Nuge ya kos kos. Nse kafe morne iki. Oma fala kalabante ya nanana fauma la ginake toro kiramuna omuna fala made yemuna sécurité muna mege muna walfe omuna tam fala fede damaro benito adi le king awa tina de New York jusqu'à à Paris awa muta sugumane muira tina jibiasi atanaiki donc famille je vais vous laisser parce que cette vidéo c'était pour parler de l'événement de Paris demain. Bérenga Mini, à nous en plus, ma dédicace Tina à New York, ma Siginene, Mamadi Doumbouya Gologeme, 10,000 fois, Tina Nara, Nerewama artiste Tofé, cadeau Nara Tina, vous venez demain, voilà, t-shirt Yati, je vais faire des t-shirts, Mouta Somane Oira, cadeau Tina, Moutan concert du jamais vu à New York, voilà, sécurisé en plus, imaginez, hein, Moutamoura concert à Bama Denere, New York police et Nampama. Sécurité assurée. Donc, Mionaga Garou, Kalabante et Tambe, Mouna Kalumneiki, et nous prêts, Brugurugurugur, écrit et bloqué.
Bemarago, Betamara, Calabante, Omafla au Calabante, au Famenitina, Koama Paga Nango, Mouraso Manoira Men. Nous on a le permis go, permis nana moutanira. Otanana au promené fait, sans permis, moutan permis nana mouira, Tinata, Kalati, Mouraso Manoira. Donc, bonne soirée à tout le monde. Voilà, peut-être que une fois à New York, ma Sendera Bamane, Namase Manobe, Maraso New York, Kalati. Voilà, donc le rendez-vous c'est pour demain. Non, 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 Salematou, Bari, j'ai dit tout de suite là, j'avais oublié de faire le truc, Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, Aramere, eux, quand je dis qu'ils sont bêtes, j'essaie d'être sain, j'essaie d'être, voilà, Mouama. Mais comme a supporté Kalamante et tambe kombiba mamutana awa era patron na sebe manetina Mamadi Doumbouya manfa photo d'ondrotisa agologeme 15,000 fois na sebebe manuge attend artiste Kulamati di photo na ranki manfa na sa rambitina voilà la greke bira kolon tana kombanere bira kolon ntamu kombitima et nous fera kana maragbele manaki attend artiste Kalabante, Sosé Natanana, Ntan Sosoku, Sosoku Tigangne. Donc, Gologem, Ntan Makolo, Misena Gologemera. Comme Ebarangeli Tongo et Samen, Awa Era Patron Bandi, Mfambara Nareli Tongo, Nasamen, Gologeme, Hantina, Hantina et Lumawari, Naga Misena Gologemera. Parce que Sosé Nanaborera, Nana Fala Sosoku, Allo, Sosé Baskotke Yaflakanara, Onara Mouraoui Tongo, O Kombiti, Ntan Makolo de. Na mère artiste nana artiste nous sigsa mri lamane ira sigi voilà il a répété awa mufa répétition nana ba fetina Doumbouya gologeme Idi Amin gologeme Amara gologeme Bala Samoura gologeme CNRD gologeme et Birin gologeme donc à demain merci à